Salut et bienvenue dans cet aperçu du donjon le manoir Malvois que vous pourrez arpenter dans BFA. Il est situé dans la zone de Drosvar, au sud du continent de Kul'Tiras. Ce donjon est un vrai coup de cœur perso, autant pour les décors, l'ambiance que pour les boss que nous y avons rencontrés. Votre mission dans le manoir Malvois est de venir à bout de la présence maléfique qui s'y est installée. Si le nom de Malvois n'évoque rien pour vous, vous vous familiariserez vite avec à la sortie de l'extension. Les Malvois sont une famille noble dont on n'a pas de nouvelles depuis quelques temps. Vous vous êtes mis à leur recherche. Ils contrôlent la zone de Drosvar et sont l'une des 4 maisons qui dirigent Kul'Tiras. Le manoir Malvois comprend 5 boss avec Goractul en boss de fin. Goractul, c'était le roi de la Drust, la population autochtone de Kul'Tiras, qui a été vaincue par les colons humains. Leurs esprits sont restés et hantent les forêts tout en cherchant un moyen de revenir dans le monde physique. Goractul a enseigné à Dame Malvois sa magie en échange de son aide pour le ramener à la vie. Dame Malvois a kidnappé et corrompu les habitants du village, recrutant ainsi de nouveaux membres et notamment les filles de Corlin. Dame Malvois et ses partisans se sont retirés dans le manoir de la famille Malvois, et pendant ce temps, Lucille, la fille de Dame Malvois, est faussement accusée de sorcellerie. Elle perd son fiancé, assassiné le jour de son mariage, pas de peau. Elle forme en réponse l'ordre des Bresses pour lutter contre la sorcellerie. La sorcière Dame Malvois nous accueille à l'entrée du manoir. Lucille Malvois, sa fille, la défie, provoquant sa colère puis sa fuite. Vous attaquez alors votre progression dans le donjon avec une série d'hades accompagnée de Lucille, bien décidée à mettre fin à la malédiction. Après une progression dans les couloirs dans une ambiance sinistre et quelques hades pour la forme, vous pourrez affronter l'un des boss. Nous avons commencé par Ral le Baffeur, Amad Grèce qui est ancré dans le sol de la salle du banquet. En effet, figé dans ses restes de nourriture, Ral inflige des dégâts si aucun joueur ne se trouve à son cac. Chaque expulsion putride de déchets inflige des dégâts et ralentit les joueurs qui devront donc lutter pour s'éloigner du boss et ne pas subir la capacité Attendrir lancée en cône devant lui. Le boss invoque des servants affaiblis qu'il faut tuer pour l'empêcher de les consommer. Chaque serviteur dévoré augmente les dégâts infligés par Ral de 5%. À quelques pas du corps de Ral, à l'extérieur, vous rencontrerez le Goliath des âmes, un boss qui va taper de plus en plus fort au fil du combat grâce à sa récolte des âmes. Vous devrez limiter cette prise de puissance grâce à l'utilisation des feux de la brousse. Ils appliquent broussailles ardentes et réduisent l'énergie du boss. Attention aux dégâts infligés aux joueurs à soigner, il faudra aussi éviter les épines de l'âme au sol. Détruisez-les si un joueur est piégé. Rien de très compliqué sur ce boss. Vous avancez encore un peu dans le manoir et tombez sur la salle de bal et les sœurs de la triade. Nous avons fait les 3 premiers boss dans cet ordre, mais le donjon n'est pas linéaire, donc vous pourrez les faire dans un ordre différent. Concernant les sœurs sorcières, elles portent les noms de Sœur Bruyère, Sœur Souffrance et Sœur Soléna, ce qui explique peut-être qu'elles soient énervées. Elles possèdent chacune leur capacité, et en plus, quand l'une d'elles possède l'iris de focalisation, son énergie augmente de 2 chaque seconde. Une fois arrivée à 100 d'énergie, donc au bout de 50 secondes, la sœur lance un rituel redoutable, décharge d'énergie noire qui inflige des dégâts à tout le groupe. Le but est donc de faire assez mal à la sœur qui possède l'iris pour qu'elle le lâche et qu'une autre sœur le ramasse. Vous procéderez ainsi tout le combat pour empêcher les sœurs de monter à 100 d'énergie. En mode normal, ça vous fera pas bien mal de toute façon, mais dans les modes supérieurs, ce sera important de respecter la strat. Attention, sœur Soléna peut CM un joueur, ce qui nous a pas mal amusé lors des tests puisqu'on essayait de tuer le joueur CM. C'est pas du tout le but, mais c'est une tradition chez les docks.
Une fois les sœurs vaincues, vous poursuivez votre progression et redescendez en passant devant une chouette galerie de portraits. Le décor du manoir est vraiment top et super détaillé. Dans une salle derrière celle de Ral le Baffreur, vous accéderez à d'autres trashs. Vous progressez dans les sous-sols du manoir jusqu'à arriver dans les catacombes. Vous vous retrouvez alors face à Dame Malvois et au Seigneur Malvois. Vous allez taper le Seigneur, la Dame étant insensible. Vous allez donc descendre les PV du Seigneur qui est contrôlé et heal par la Dame. Plus vous le descendez, plus elle lui transfère de PV et s'affaiblit. À 10% de ses PV, elle se transporte aux côtés du Seigneur et il ne vous reste plus qu'à tuer les deux. Vous sautez alors dans la fissure et la suivez jusqu'à arriver devant Goractul, qui a été ramené par le rituel. La mort de Dame Malvois lui a permis de revenir en Azeroth. Il n'est pas très dur à tuer, il fait pop des actes dont vous devrez brûler le corps avec un feu alchimique pour empêcher le boss de les raise. Grâce à vous, Drosvar est libéré de l'influence malfaisante de Dame Malvois et de Goractul. Voilà, c'était juste pour vous présenter rapidement ce donjon qui nous a vraiment, vraiment bien plu au niveau du décor, au niveau de l'ambiance, du lore aussi. Donc on souhaitait vous le présenter en vidéo. On vous retrouvera peut-être pour d'autres vidéos de donjons. Salut !